Amen. En fait, tout au long de la semaine, j'étais pas bien. Et je faisais semblant comme si j'étais bien. Je ne voulais pas manifester ma tristesse devant aux yeux de tout le monde. Ma soeur Evelyne était conduite à déposer une requête ici pour mon problème de dos. Et l'assemblée avait prié. Après la prière, ça s'est vraiment empiré. J'étais vraiment pas bien. Mais moi, je me suis dit, comme on a déjà prié, je ne vais plus déranger le serviteur de Dieu pour ça. Et je venais avec la douleur. Le Seigneur me soutenait dans sa présence et je repartais toujours où ça n'allait pas. Le jeudi, j'étais venue à l'assemblée, j'avais vraiment, vraiment mal. J'étais dans sa présence. Le Seigneur m'a soutenue du début de suite jusqu'à la fin. Et dehors, j'ai rencontré mes sœurs. Je faisais semblant de rigoler, mais j'avais vraiment mal. Et je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée, le lendemain, je suis allée au travail. Le vendredi, je travaillais normalement toute la journée, matin et l'après-midi. Je suis allée au travail le matin, c'était mal que moi. Et quand j'avais déjà fait rentrer le certificat médical, je ne voulais pas encore faire rentrer un autre. Et j'étais en mode, bon, je vais quand même y aller. Je suis partie et j'ai travaillé donc, de 8h30 jusqu'à 11h. De 11h, ça n'allait pas. J'ai dû parler d'âme et je suis rentrée à la maison. Et quand je suis rentrée, j'avais vraiment, vraiment mal. Je me suis forcée pour s'occuper des enfants et tout. Mais vers 17h, 18h, je sentais vraiment une pointe et ça n'allait vraiment pas. Je suis restée, j'ai dit, Seigneur, on a prié pour moi. J'ai ma guérison, je ne vais pas regarder aux douleurs. Je reste là, je ne vais pas téléphoner pour serviteur, mais je sais que tu as déjà exaucé, que tu m'as déjà guéri. Je ne vais pas regarder à la douleur. Je suis restée là, ça me prenait très très fort. Et au bout milieu de la nuit, la sœur Irène chez elle m'avait envoyé un message pour voir comment j'allais, comment la journée s'est passée. J'étais dans les douleurs, j'ai vu le message, mais je n'ai même pas su répondre à ma sœur. J'avais vraiment une pointe énorme, ça m'a pris le tout. J'ai commencé vraiment à avoir peur parce que ça montait juste là. Et je sentais comme si mon cœur allait se lâcher. Et là, j'ai dit, Seigneur, ne me prends pas dans cette douleur. Je n'ai pas envie de partir avec cette douleur. Je peux partir autrement, mais pas que je suis partie avec cette douleur. J'avais tellement mal et je me suis trimballée tout doucement dans la chambre de mes enfants. Je me suis mise au pied des lits de mes enfants. J'ai dit, Seigneur, si je partais, qui va s'occuper d'eux? À qui je vais les laisser? Je pleurais, j'étais dans les pleurs pas possible. J'avais vraiment mal parce que la douleur était tellement là. J'ai dit, bon, maintenant, tel que je sens, comme si mon pied allait se lâcher, si ça se lâche maintenant, bien c'est fini. Parce que ça te prend où tu n'arrives pas à respirer profondément. C'est comme si on t'arrachait le souffle. Alors j'étais là, j'avais mal. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Prête-moi encore un peu de vie sur cette terre pour te servir. Parce que je ne peux pas partir avec cette douleur. Je l'implorais tellement. J'ai prié. Puis après, je me suis longée, je partais là. Le Seigneur m'a fait grâce, le sommeil m'a emporté. Le lendemain, je me suis revue encore sur la terre des vivants. J'ai dit merci Seigneur, tu m'as prêté la vie encore. Et j'étais là toute la journée d'hier, je ne suis pas sortie de chez moi. La sœur Béline n'arrêtait pas de m'appeler, je ne voulais rien lui dire non plus, mais à travers ma voix, elle a senti que ça n'allait pas. J'ai dit oui, je suis pas bien. Et comme on avait le programme de venir à l'assemblée chaque vendredi soir ou chaque samedi soir pour nettoyer, je lui ai dit, écoute, on essaie de se rappeler parce que là, je m'allonge un peu et puis après, quand ça va aller mieux, je t'appelle et puis on y va. Je suis restée, ça n'allait pas. Jusqu'à 18h, la sœur n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai dit, écoute, on va y aller. J'ai apprêté les enfants, on est venu à l'assemblée. Et après avoir terminé le bal, je voulais rester avec elle parce que c'est à cause de moi qu'elle est venue si tard à l'assemblée pour pouvoir faire son travail. Elle me dit, non, vas-y, tu te sens pas bien parce que je sais quand tu es bien, tel que je te vois là, je ne vais pas que tu restes. Toi, va à la maison et je vais terminer le reste. J'ai dit, non, je n'ai pas envie de te laisser non plus toute seule, il fait tard, tu restes avec toi. Elle a dit non, elle a insisté, je suis rentrée.
Et quand je suis rentrée tout doucement avec les enfants, j'ai essayé d'apprêter ce que j'étais apprêtée pour ce matin. Et ce matin, je me suis réveillée. Et vraiment, j'étais restée raide depuis le mercredi jusqu'au ce matin. Je n'arrivais pas à tourner les pieds comme ça. J'arrivais pas, si quelque chose est tombé, je n'arrivais pas à m'abaisser, à le ramasser. Parce que dès que je m'abaisse, je peux m'abaisser, mais me relever, ce n'est pas possible. Je dois vraiment gémir, essayer de faire tout doucement avant de me redresser. Et c'est comme ça que je suis venue à l'Assemblée. Et quand je suis venue ce matin, j'ai déposé mon sac là. Tout doucement, je suis venue à l'hôtel et je me suis mise. J'ai dit, Seigneur, je t'ai apporté mon état tel que je suis. Je pouvais rester chez moi en voyant mon état, mais je sais qu'en restant chez moi, ça ne va pas m'apporter la solution. Je suis venue vers toi. Mais voici, je sais une chose, ne me laisse pas retourner dans cet état-là. Vraiment, je l'ai imploré et j'étais là devant le Seigneur. Et après, je suis sortie, je suis allée dans la salle de maman. Et le Seigneur a touché le cœur de la sœur Manipiponi, qui est venue dans la salle de maman. Et je faisais toujours semblant comme si ça allait. Mais à travers ma respiration, elle m'a dit, mais tu es fatiguée si tôt le matin comme ça. Qu'est-ce que tu as? Je m'appuyais très fort sur la porte de la salle de maman. Et là, je lui ai dit, mamie, en fait, c'est parce que j'ai mal. Elle m'a dit, tu as mal, toujours le dos. J'ai dit, oui. Elle dit, mais on a prié. J'ai dit, oui, on a prié. Mais sans te mentir, maintenant, là, j'ai très peur. Tel que ça me prend, j'ai peur que ça me coupe d'un coup le souffle et que je pars. Et je lui expliquais comment ça me prend, comment ça me fait. Et elle était brisée en elle-même et elle m'a pris dans ses bras. Elle a dit, non, tu ne vas pas partir comme ça, à qui tu vas laisser tes enfants, pense à eux, tu n'iras pas comme ça, on a prié pour toi, le Seigneur est capable, elle me consolait. J'ai vraiment pleuré dans ses bras, mes larmes coulaient sans cesse. Et après m'avoir consolée, d'un coup, elle m'a repris d'une manière sévèrement. Elle me dit, non, tu dois abandonner ça, que tu dois partir. Tu dois vraiment oublier ça et regarder au Seigneur, le Seigneur est capable. Donc, je ne veux plus que tu te mettes dans cet état qui t'affaiblit, que tu regardes toujours à cette douleur. Tu dois vraiment abandonner ça et tu dois regarder au Seigneur, tu dois regarder à tes enfants. Tu ne vas pas partir dans cet état avec cette douleur. Et elle me parlait, elle me conseillait, la sœur Valine aussi s'est rapprochée. Et je les expliquais comment la chose me prend, comment ça me saisit d'un coup. Et la sœur Valine essayait de me dire, je les ai dit comment ils m'ont dit d'aller voir aussi, qu'ils vont m'aider à me croquer l'os, pour que si c'est l'os qui était coincé ou déplacé, pour que ça se remette. Et la sœur Valine m'expliquait que son mari aussi avait eu quelque chose comme ça, qu'on lui a croqué, ça fait très très mal, mais il faut que j'aille. Et toutes les deux sœurs me donnaient des conseils, et j'étais là, et ça me ramenait un peu. Et puis après, je suis rentrée, et puis ça a commencé. Et quand l'épître a commencé, là vraiment j'ai vu la bonté et la grâce de Dieu envers moi. J'avais rien dit à Frère Christian, mais à travers sa prière, quand il a commencé l'épître, là j'ai prié vraiment, j'ai reçu cette guérison. Il priait et dans sa prière, on m'a donné, il priait pour une sœur, il disait seulement ma sœur est venue ce matin avec sa maladie. Seigneur, tu guéris encore, Seigneur, tu guéris encore, guéris. Et vraiment, c'est à moi que cette prière s'adressait, ça venait vraiment au fond de moi. Et quand il a arrêté la prière, qu'on a commencé à chanter, on a commencé à chanter, j'ai commencé à chanter tout doucement, et d'un coup, je vois que j'avais le souffle pour bien chanter. Et je vois que je chantais plus fort, je chantais plus fort, je chantais plus fort. Alléluia. Je dis Seigneur. Et la louange a commencé, je chantais, je chantais. Et après, je suis sortie dans la salle de maman. Et quand je suis sortie, bizarrement encore, c'est vraiment le Seigneur. Mamie Tréphonie, elle est encore sortie. Elle est venue dans la salle de maman à peine que je suis sortie. Et quand je l'ai vue, je suis du côté où je ne pouvais pas tourner. Je suis tournée directement vers elle. Je dis, mamie, je suis guérie. Amen. Et elle a crié, elle a fait kili-kili. Alors je dis, oui, mamie, je suis guérie. J'ai obtenu ma guérison. Alors je lui dis, tu vois, ce matin, quand Frère Christian priait pour une sœur qui est venue avec sa maladie, j'ai reçu cela. Elle me dit, au même moment que le frère priait, elle avait pris ça pour moi aussi. Amen.
Alors j'ai dit, mamie, je suis guérie. Amen. Alors j'ai dit, écoute, regarde mamie, je vais te montrer que je suis guérie. Je ne pouvais pas m'abaisser. Alléluia! Amen! Je ne pouvais pas me relever. Alors je me suis abaissée, je me suis relevée. Elle me dit encore, je me suis abaissée, je me suis relevée. Alors là, elle me dit, pour qu'on sache maintenant que les murs de Jéricho étaient brisés. Alléluia! Amen! Abaisse-toi, relève-toi 7 fois. Je me suis abaissée, je me suis relevée 7 fois. Amen. Alors que j'étais vraiment faite. Mon cou était coincé. Alors là, vraiment, j'ai dit, mamie, tu vois, ils ont été vraiment brisés. Et je lui ai dit, maintenant, je rentre. Et au même moment que je voulais rentrer, Frère Christian et Sonia, nous avons déclaré la vie. Alléluia. Je suis rentrée et j'ai chanté mon Dieu. Et depuis, du début depuis, jusqu'à maintenant, je me sens bien. Amen. Je peux m'arrêter. Un cantique en langue qui dit dès mon réveil, c'est ton nom que je l'aimerai dans mes cantiques. Dès mon réveil, quand j'ai la santé que je lève mes mains, c'est ton nom que je l'aimerai dans mes cantiques. Dès mon réveil, quand je rencontre la joie, c'est ton nom que je l'aimerai. Dès mon réveil, quand je rencontrerai la paix, c'est ton nom que je l'aimerai. Amen. Jewe je, me one kanto jewe.
Thank you.